Avez-vous déjà eu l'idée d'enrouler du papier hygiénique autour d'un ballon? Dans cette courte vidéo, je vous indique ce que vous pouvez faire de génial avec ça. Pour cela, vous avez besoin, dans la mesure du possible, de ballons d'eau. Vous pouvez aussi utiliser un ballon de baudruche, mais avec ces petits ballons, c'est un peu plus facile. Gonflez-les un petit peu et formez un nœud à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser du papier hygiénique. Pour un tel ballon d'eau, nous avons besoin d'environ 20 feuilles de papier hygiénique. Déchirez-les et placez-les autour du ballon. Le mieux est de les faire l'une après l'autre. Humidifiez-le ensuite un peu et appuyez bien pour qu'il se forme parfaitement autour du ballon. Superposez ensuite les feuilles les unes sur les autres jusqu'à ce que vous ayez enroulé toutes les feuilles autour du ballon. Dans le meilleur des cas, ce sont 2 ou 3 couches de papier toilette qui sont enroulées autour. Ne laissez qu'une petite ouverture à l'extrémité inférieure. Placez-le ensuite sur un verre et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures jusqu'à ce que le papier toilette soit durci. Entre-temps, vous devriez, dans le meilleur des cas, le tourner de temps en temps. Une fois qu'il a durci, vous pouvez percer le ballon et le retirer par le petit trou à l'extrémité. Refermez-le ensuite un peu pour qu'il ait plus l'air joli. Refermez-le un peu pour qu'il ait l'air plus joli. Maintenant, vous devriez découper un trou. Je fais ici un trou bien grand, comme vous pouvez le constater. Si le tout ne tient pas debout, humidifiez encore un peu le bas et appuyez encore une fois pour que le tout tienne debout. Maintenant, vous pouvez le remplir avec un peu de décoration et quelques friandises et vous avez le parfait neat pack, fait maison et en papier toilette. Aimeriez-vous savoir ce qu'il y a d'incroyable à mettre des clous de girofle dans une banane? Alors regardez la vidéo que je vous mets en lien ici. Je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un abonnement.